Bonjour, bienvenue chez Mox, l'endroit d'internet où on fait des défis dessins totalement bizarres. Aujourd'hui on se retrouve sur le site web Geronimo, ça va me permettre de tirer deux mots aléatoires. Je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas faire animaux métiers, ça peut être intéressant. Compte tenu du site avec beaucoup de pubs, c'est saoulant. Moi j'aimerais bien tirer mes mots pour le challenge d'aujourd'hui. On va commencer avec l'animal. Alors l'animal sera un cochon et son métier sera juge. Un cochon juge. Nous allons commencer. Pour faire un cochon juge, il faut faire son bureau de je sais pas comment ça s'appelle là. J'ai jamais été dans un tribunal, donc voilà, moi je suis quelqu'un de réglo, tu vois. Je vais pas dans les tribunaux, hein. Je ne vais pas dans les tribunaux. Bref, faites pas gaffe, hein, ce sera bien. Les lignes seront bien droites quand je le referai au propre. On va faire ses papiers, on va faire un petit dossier, hop, avec plein de feuilles. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans ce tribunal? Ils ont tous une petite lampe, je crois, les juges, non? Je me suis bien entendu pas renseigné sur comment était une salle de tribunal au préalable, hein, parce que ce serait trop simple, tu vois, un peu à l'impro. On va faire la lampe Pixar, hein, c'est le classique, tu vois. Ce qu'ils ont aussi, c'est leur marteau. On va déplacer les papiers pour qu'ils puissent frapper du marteau, parce qu'il va être énervé. Sa sentence sera irrévocable. Non, c'est pas le bon truc, ça. Je fais ça à la va-vite, hein, mais ça sera rectifié, vous en faites pas. Le cochon juge, le cochon juge. On va faire un nez en cœur, ouais. On va faire des lunettes rondes. Lunettes rondes, hop, 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 hop. Ok, je crois que les cochons ont des oreilles comme ça. Les juges, ils ont un truc entier ou ils ont juste les rouflaquettes là, je ne sais pas. Tous les cas, on va lui faire des trucs comme ça. Il fait des petites rides, parce que bon, les juges, ils sont pas très souvent jeunes, je crois. Enfin, je pense, pas pro, hein, comme je vous dis. Moi, j'ai jamais été dans un tribunal, j'ai jamais eu à faire un juge. Oula, il a l'air un peu genre... Il est très très à l'écoute de l'affaire, hein, le monsieur. Il est très sérieux. Bon, il y a le petit spot où il y a le mec qui se défend, qui parle. Alors, on va révéler ce que ça donne. Voilà le résultat. Qu'est-ce que vous en dites de ce cochon juge? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce petit moment, vous et moi là, ça vous a plu? Est-ce que vous aimez? Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Ça me ferait grand plaisir. Partagez un peu de positivité dans le monde. Est-ce que vous voulez plus de challenge dans ce style? Est-ce que vous voulez que je revienne sur Geronimo, le site où je peux tirer plusieurs mots au hasard? Tellement de possibilités s'offrent à nous. Si vous en voulez plus, dites-le moi dans les commentaires. Pour moi, il est temps de rendre l'antenne. Je suis fier que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Merci de votre attention. Casse-toi, je sais pas qu'est-ce que tu es, casse-toi. Bref, ça sera dans le bêtisier à la fin, je pense.